On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du samedi 26 septembre 2020. Non, il n'y a plus le Lunar Oracle, hein, il m'a saoulé, clairement. Donc aujourd'hui, on a le Ferry, le Normand, avec le Victoria Frances. Ils n'ont pas du tout le même univers, mais on verra bien. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi j'y vais. Ok, alors aujourd'hui on commence bien, on a l'étoile, on a l'arbre, la clé, la femme et le cavalier. Au centre du tirage on a la clé, donc aujourd'hui il y a une solution, il y a quelque chose qui est trouvé, il y a une action qui est entreprise, puisqu'on voit bien que c'est une action qui n'est pas encore, qui est menée peut-être en organisation, en prévention, en préparation pour essayer de faire avancer les choses dans nos vies. Voilà, aujourd'hui on est peut-être sur une journée par exemple où on va se dire ok, donc je prévois quelque chose, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mettre à bien ce projet. On a la clé qui nous dit voilà, quelles sont les actions à mettre en place. Aujourd'hui c'est une journée d'apaisement, c'est une journée d'ancrage, parce qu'on a l'étoile et l'arbre. On a vraiment une journée moi j'ai l'impression d'un samedi en ok, quelle est ma situation? Vous voyez l'arbre, quelle est ma situation? Qui j'étais? Souvent on dit là, enfin souvent je dis qui j'étais, qui je suis, qui je veux devenir, qui j'aspire à être. Et il y a une multitude en fait, hein, parce que j'ai été plein de personnes, donc les racines de cet arbre en fait se dispersent, et voilà, j'ai été beaucoup de personnes, j'ai un certain âge. Je suis pas vieille, hein, mais en fait je sais plus quel âge j'ai, je crois que j'ai 36, si j'ai 36 ans. Non, je n'ai pas Alzheimer encore, vraiment, mais ça m'intéresse tellement peu. Bref, en tant d'années de ma vie, j'ai été plusieurs personnes, j'ai été un bébé, j'ai été un enfant, j'ai été une ado, j'ai été une jeune femme, j'ai fait plein de choses, j'ai été plein de personnes. Dans une même année, on est aussi plein de personnes, on n'est pas forcément les mêmes en janvier quand... Enfin là, je veux dire, j'étais pas la même en janvier 2020 que je le suis en septembre. Entre-temps, il y a eu plein d'événements qui ont fait de moi, qui ont une personne encore plus nuancée, en fait. Et c'est ça tous les ans. Et donc, c'est ça. Pour moi, le système racinaire, c'est ce qu'il représente. Qui j'ai été, en fait. Hein. Aujourd'hui, le tronc... le tronc, c'est aujourd'hui. Donc, qui je suis? Aujourd'hui, je suis centrée. En tout cas, j'essaie. Hein, avec quelques branches folles qui partent à droite à gauche. Hein. Mais, en tout cas, j'essaie d'être centrée. Pour essayer d'aspirer à qui je veux être. Qui je veux être, eh bien, c'est une multitude de possibilités. Voilà, c'est comme les racines, en fait. Hein. Je ne serai pas forcément la même, et du coup, j'ai une multitude de chemins possibles. Pour moi, l'arbre, il représente ça, mais il représente aussi, dans les situations, quelle était la situation. La situation vue de ma place, la situation vue de la place de quelqu'un d'autre, de mon compagnon, de mes enfants, de ma maman, de la personne avec qui j'ai eu une relation, etc. Patati patata, enfin bref, voilà. Quelle était la situation dans toutes ses complexités, son système racinaire. Aujourd'hui, quelle est la situation? Ça va être le tronc. Et maintenant, la question, c'est vers quoi voulez-vous aspirer? L'étoile vous dit que c'est plutôt vers l'apaisement, il y a plutôt un recentrage, il y a plutôt quelque chose, une prise de hauteur, en fait. Hein. Il y a plutôt une prise de hauteur par rapport aux choses, envie de prendre les choses de haut pour essayer de trouver des solutions qu'il n'y a pas à la hauteur où vous êtes aujourd'hui. Donc la clé vous dit oui, effectivement, tu vas trouver des solutions. Les solutions, tu les as en toi avec la femme. Les solutions, tu les as en toi. Les solutions, elles ne sont pas magiques. Les solutions, elles sont logiques et elles sont... Enfin, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, les choses avanceront. On va tout recouvrir. Voilà. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on a le jardin, on a... Le serpent, pour moi, là on est sur une extériorité, il y a un changement, pour moi il y a une mutation dans le cercle
Je dirais l'un des cercles. Ça peut être un cercle amical, un cercle professionnel, un cercle des voisins, par exemple. Enfin voilà, l'un de vos cercles, mais pas très proche. On n'est pas sur le premier cercle. On est. Moi, j'ai l'habitude de dire, en fait, dans mon quotidien, on a plusieurs familles. C'est-à-dire, on a sa famille, les gens avec qui on vit, hein, au quotidien, etc. Et puis, on a la famille professionnelle, on a la famille. Des amis du lycée, et puis on a la famille des amis, des voisins qui sont devenus des amis, et puis on a la famille des copains ou des amis de son compagnon ou de sa compagne, et voilà, c'est plusieurs groupes, plusieurs familles sociales, on va dire. Et bien là, ça fait partie de l'une de vos familles sociales. Après, on a aussi la famille éloignée, aussi, par exemple. Pour moi, il y a une mutation, il y a une transformation, il y a peut-être l'envie d'agir autrement, l'envie de faire autrement. C'est plutôt une transformation liée à, je dirais, en rapport avec le tirage du dessus. En fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va peut-être se poser des questions par rapport à l'un de ces cercles. Et puis, on va se demander quelle est la meilleure manière d'agir, la manière qui nous ressemble le plus possible, en fait. Qu'on va peut-être faire une rétrospective par rapport à cette semaine où il nous sera arrivé des choses peut-être assez positives, ou des choses, en tout cas, qui vont dans le bon sens, ou des choses comme ça. Et puis, peut-être qu'on a perçu certains comportements, ou perçu certaines façons d'appréhender ce qui nous arrive par rapport, enfin, les autres, voilà, par rapport aux autres. Comment l'autre a appréhendé ce qui nous arrive et comment il nous l'a projeté sur nous, et comment surtout nous on l'a reçu, en fait. Hein. C'est ça le truc, c'est comment nous on reçoit les choses, comment lui les projette et comment moi je les reçois, en fait. Hein. Et peut-être que ça va vous travailler dans le sens où vous allez vous dire, ok, c'est comme si je passais un cap, je passe une porte, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, hein, parce que quand même, la souris, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et j'ai peut-être pas reçu ce que je pensais de l'autre, ou en tout cas, je l'ai pas... c'était pas peut-être comme je pensais que ça allait être. Donc il y a une mutation, c'est pas à l'autre de muter, c'est à vous. Essayez de faire évoluer votre regard sur l'autre. Pourquoi, comment, etc., pour mieux le comprendre. Parce que, en vérité, essayer de faire bouger l'autre, ça sert à rien. Voilà, parce que s'il a décidé de ne pas bouger, bah, il ne bougera pas. C'est toujours à nous, quand on... Vous savez, c'est cette phrase que les anciens disaient, c'est le plus gêné qui s'en va, en fait. Eh bien, en fait, il ne s'en va pas pour faire de la place à l'autre, il s'en va pour ne plus être gêné par l'autre, vous voyez. Eh bien, là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas, je ne vais pas dire à l'autre, ton comportement m'a dérangé, ou ta non-réaction, enfin peu importe, hein, m'a dérangé. En fait, je vais essayer de savoir pourquoi ça m'a dérangé et essayer de faire bouger ça en moi, en fait. Qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que... Voilà. Aujourd'hui, ça peut être ça. Après, il peut y avoir aussi des tracasseries pour quelqu'un d'autre, effectivement. Il peut y avoir aussi du changement, parce qu'on a quand même le cercueil. Il peut y avoir du changement, il peut y avoir un passage de cap. Voilà, c'est peut-être la fin de quelque chose, le début d'autre chose, etc. Pour moi, en fait, là, on est sur une énergie de bascule. Le serpent, il n'a pas la notion de... Pour moi, j'ai pas la notion de trahison. Peut-être qu'on va se sentir trahi, mais, encore une fois, ce n'est qu'une sensation. Et moi, j'ai pas de lourdeur effective. J'ai un peu de tracas, j'ai de l'incompréhension par rapport à la souris. Pourquoi t'agis comme ça, je comprends pas, pourquoi tu fais ça, je comprends pas, etc. On est plutôt sur un truc comme ça aujourd'hui. Une réflexion de pourquoi, comment, etc. Voilà. Parce qu'en fait, cette ligne-là, elle n'est pas hyper positive, mais comme au-dessus, on a quand même eu des cartes qui nous disent voilà, que ça avance, que ça bouge. Et du coup, c'est un travail, je pense, aujourd'hui intérieur. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'étoile et le jardin, donc au final c'est rien de grave, d'accord, c'est juste que ce que vous cherchez, c'est peut-être la paix, et du coup pour trouver la paix, il faudrait peut-être prendre de la hauteur, les amis, aujourd'hui. On a l'arbre et le serpent, hein, quand même faites attention, l'arbre et le serpent, faites quand même un petit peu attention aujourd'hui à votre santé, ça peut être le synonyme de bobo, c'est peut-être des bobos au corps, ou peut-être des bobos au cœur, ou peut-être des bobos des nœuds au cerveau. Voilà, ça peut être ça, parce qu'on a la souris et la clé. Donc, de toute façon, la solution, ce sera à vous de la prendre, ce sera à vous d'être acteur et de vous libérer, de toute façon. On a la femme et le cercueil. Pour moi, il y a un changement d'angle de vue à avoir, encore une fois, de la hauteur à prendre. Hein. Et puis, on a
le cavalier et l'homme, pour moi, c'est les choses. Une fois que vous aurez mis tout ça en phase, une fois que vous aurez vraiment. Le cercueil n'est pas toujours, enfin, est rarement mauvais. Une fois que vous aurez fait renaître les choses, pour moi, vous allez avancer et avoir un comportement concrètement différent. Et du coup, vous laissez moins impacté par ce qui se passe autour de vous. Voilà. On va regarder avec le Victoria Frances. Nous avons eu aujourd'hui cette carte-ci. Le voyage au crépuscule, un nouveau départ, opportunité. En essayant de surmonter les obstacles que vous réserve l'existence, vous vous trouverez soudain à un tournant. Si vous avez toujours considéré la vie comme une course sur l'autoroute, alors vous devez vraiment ralentir et apprendre à affronter une journée à la fois. Le besoin d'avancer avec plus de calme est important en ce moment. En effet, vous ne devez pas prendre des décisions hâtives. Bien au contraire, il faut les pondérer attentivement. Ouais, prenez de la hauteur, pour moi. Prenez de la hauteur, n'agissez pas sous le coup de l'émotion, n'agissez pas sous... Enfin, ça ne servira à rien de faire monter le ton, etc. À part vous agacer, ça ne servirait strictement à rien. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon samedi. Prenez de la hauteur, de la distance, du recul. Soyez l'étoile. Bisous bisous, salut!